La nouvelle loi chinoise sur les bibliothèques publiques dit que les gouvernements locaux au niveau du district et au-dessus doivent construire des bibliothèques publiques capables de prêter des livres ou autres documents et fournir au public un accès ouvert à des salles de lecture, des conférences et des expositions. Selon la nouvelle loi, toutes les bibliothèques publiques ouvriront les week-ends et les jours fériés. La loi dit que les gouvernements au niveau du district et au-dessus doivent construire des bibliothèques publiques et les villages et les communautés plus petites doivent construire des lieux de lecture. Selon la nouvelle loi, la technologie moderne sera intégrée aux bibliothèques publiques en Chine de façon à fournir du contenu numérique et apporter de meilleurs services au public. La loi comprend de nombreuses régulations qui assurent au peuple de meilleurs services d'information. Par exemple, elle appelle à la construction d'un réseau unifié de bibliothèques publiques et à la promotion d'une information numérisée dans les bibliothèques publiques. La nouvelle loi encourage aussi les gens à participer à la construction de nouvelles bibliothèques publiques. La Chine possède plus de 3100 bibliothèques dirigées par le gouvernement et une cinquantaine de bibliothèques publiques tenues par des citoyens, des entreprises, des institutions publiques, des groupes sociaux ou d'autres organisations.